Yo tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, un petit peu comme prévu, je tourne mon sleeve vlog du mois de janvier. Mais je le tourne en retard par rapport à ce qui était prévu, une journée en retard. Je vous explique la raison, pour ceux que ça intéresse. C'est que déjà, j'essaie de sortir chez moi, vu que ça monte un peu, j'essaie de pas caler. Voilà. Et on a justement le talus, c'est magnifique. Je vous explique pourquoi je tourne ça en retard. Bah, tout simplement parce que je devais le tourner hier. Aujourd'hui, on est le mardi 17, si tu peux te connaître. Essaye de pas se planter. 17 janvier, et je devais le tourner donc hier, lundi 16. Sauf que j'avais pas pris l'appareil photo. J'ai commencé à le tourner à l'iPhone, mais j'avais plus de place. Voilà, dans le téléphone, j'avais plus de place. Donc du coup, on tourne aujourd'hui, c'est pas grave. Donc bienvenue pour ce monthly vlog du mois de janvier, précisément le monthly vlog du mardi 17 janvier. Go! La lampe déconne. J'ai des lettres à poster, on va aller faire ça tout de suite. Eh ben mais il fait meilleur dans l'auto, hein. Bon, alors du coup, programme de la journée. Bah déjà, direction les bahuts respectifs de monsieur et madame. Et ensuite, eh bien... Ah, un camion à bière, ça c'est bon ça. Un petit camion à bière. Et donc voilà, programme de la journée, ça va être ça. Ça va être direction les bahuts respectifs. Et une journée classique. Alors on est mardi, donc vous aurez peut-être pas forcément la physique appliquée comme d'habitude. Hein, vous savez. Mais je pense que c'est ça qui est bien, c'est que tu le fasses un jour différent. Ah ouais, tu fais toujours le lundi, c'est chiant. Ou toujours le mercredi. Voilà, exactement. Bon, là, ça change. Bon, voilà, vous allez voir à quoi ressemble un mardi. Ok, tu fais demi-tour tranquille, toi, alors là. Mais lui, c'est le salopard de fils de pute qui nous avait dépassé dans le vlog du mois de décembre, du mois de novembre, je sais plus. Là. Notez bien sa plaque. Notez bien sa plaque. BS. Je sais plus la suite, c'est. Ça démarre par BS. C'est dans le 62. Ce qu'il faudrait chercher. Putain, les essuie-glaces sont du bruit. Ce midi, on ira peut-être manger à Auchan. Je vous ferai peut-être pas de vidéo là-bas parce que là, on préfère manger plutôt que de faire son vlog. Hein. N'est-ce pas? Et donc, voilà. Donc, c'est parti. Et je vous parlerai un petit peu d'un changement de nom que je voudrais effectuer. Il y a des gens qui le savent déjà parce que je l'ai dit sur Facebook. Voilà. Je sais que c'est son vlog, mais s'il vous plaît, messieurs les pompiers, vous vous plaignez qu'il faut pas mettre ses feux de route. Mais regardez ça. Dans un rayon de 100 mètres. Ah bah non, c'est la saleuse. La saleuse. Ouais. Bah, vas-y. Ouais, la saleuse. FT, FT, pas de calé, ma gueule. Et je présume qu'il ne neige pas du tout, hein, comme d'habitude. C'est juste peut-être un peu vert glacé, mais... Donc vous voyez, le département du 62 est un département où on sort les saleuses pour rien. Voilà, on aime bien. Ça c'est cool ça. Évitez 62 ma gueule. Très bon département ça. Ouais. Calais, venez vivre là-bas. Il y a des saleuses tous les jours. Hein. Ça passe. Alors là, ça se voit pas forcément la vidéo, mais en fait, tellement il y a de la lumière en bas. Et ben on a l'impression qu'il fait jour en fait. Putain, c'est triste le 21e siècle, hein. Vraiment triste. Et là, attention, attention, attention. Je lui pique son vlog, hein, littéralement. Ah ouais, c'est ce que je vois, ouais. BMW. T'es obligé de me faire de la pub sur ta chaîne, maintenant. BMW, BMW, BMW. Oh bah, on va prendre un petit X3 là, allez hop. Ouais, allez, tranquille. Une série 5. Et là, ici, vous avez Litry Marché. Alors, Litry Marché, c'est formidable hein, parce que vous pouvez. Bah, c'est pour les gens qui veulent dormir. Il y a Darty aussi. Mais tu me piques mon vlog, t'es au courant là hein. Ah, putain, je n'ai rien à battre. C'est quoi? C'est quoi? Serre-toi. Y'a quoi à manger? De la merde. Putain de ta mère. Oh. Ah non, ma mère elle serait pas d'accord, hein, je pense. En plus, elle est une de mère alors, t'es cool. Ouais. Enfin, c'est. Bon, ta gueule, hein. Oh putain. Ta gueule. Pas 7h23 du matin.
pas faire ça. Le seul magasin qui est ouvert ici, c'est Bricoman, hein, donc... C'est 7h23, bien sûr. C'est pas un peu du foutage de gueule. Tout à fait, 7h23. Ouais, pile poil, hein. Ouais. Et toi, fais gaffe comment tu conduis, toi, parce qu'à l'heure là... Attends, ça, c'est grave. Sinon, tu vois, on va aller chez Feu Vert, là. Juste là. Regarde ça. Je conduis comme un papy. Bah justement, tu vas finir un papy chez Feu Vert. Carole. Cuisine est là, les seules cuisines qui brûlent. Allez, bonsoir. La casa là, brûlée, donc il leur fait à côté. Lol. Peugeot David, on répare tout ce qui roule. Bon, bien. Tu vas leur demander une pièce pour une Citroën, ils en ont même pas. C'est alors qu'ils sont dans le même groupe. C'est Citroën et Peugeot, c'est le même groupe de marques. Et on tient à signaler que nous n'aimons absolument pas Opel, ni Seat, ni Kia, ni toutes ces marques. Merci. Bonjour madame. Alors, on n'est pas là pour se faire des copains. Hein. Ah non. Fago Boucherie. Bon, bah y a rien pour Fago par contre. Voilà. Bon, alors, on se retrouve, il est un petit peu plus tard que le passage que vous avez vu tout à l'heure. Il est actuellement heure iPhone, 7h37 du matin. Je démarre à 9h les cours, donc c'est assez intéressant de s'éclater un petit peu avant. Juste, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais un truc à vous annoncer. J'étais en train de partir comme ça, mais à part ça, tout va bien. J'avais donc un truc à vous annoncer. Certains sur Facebook le savent déjà, et d'ailleurs, si vous allez voir la page Facebook de la chaîne de mes activités sur YouTube, le changement a déjà été fait, c'est tout simplement le changement de nom. Donc, c'est-à-dire que Asus 165 ne sera bientôt plus, voilà. Donc le changement de nom sur Facebook, je l'ai déjà fait parce que je voulais voir justement si le nom actuel qui est là passait. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, il a fait ses Seb. D'ailleurs, encore une fois, allez voir sa chaîne, hein, il vaut des tours, il fait du bon travail. Et en retour, elle a intérêt à me faire de la pub aussi, il faut le spammer pour qu'il me fasse de la pub. Et donc je me suis dit, ça serait pas mal de faire aussi un truc comme c'est Rémi, vu que je m'appelle Rémi. Et que au moins, bah, ça sera déjà plus retrouvable sur YouTube. C'est-à-dire que si je m'appelle Rémi, les gens vont chercher Rémi sur YouTube automatiquement, si on leur dit pas que c'est tel ou tel nom. Donc c'est pour ça que je vais opérer ce changement de nom à peu près comme ceci, comme cela. Ça faisait déjà un moment que j'y réfléchissais, mais je me disais que c'était un peu... Ça faisait un petit peu bizarre. Il y avait une personne arrêtée qui, je sais pas loin de ma voiture, c'est bizarre. Ça faisait un petit peu bizarre en fait, c'est Rémi, c'est Seb, ça passe mieux, mais c'est Rémi. Mais j'ai dit, allez hop, on tente le coup, quitte à éventuellement être plus retrouvable sur YouTube, c'est déjà le principal. Donc du coup, la page Facebook s'est déjà changée, il faut chercher c'est Rémi sans accent et avec CR majuscule. Voilà, c'est comme ça. Ou alors vous cherchez @CRémi officiel sur Facebook. Et donc vous retrouverez la page Facebook d'ici mars, avant mars ou au mois de mars si j'ai la flemme. La chaîne YouTube et tout le reste des activités, même Twitter et tout, etc. Tout va changer de nom, ça va devenir donc Cermi. Voilà, à l'occasion des 6 ans d'ailleurs, ça serait bien que je puisse faire une belle vidéo pour les 6 ans. En profiter que j'ai un iPhone pour faire des accélérés ou des ralentis, ça peut être pas mal. Voilà, un petit peu pour l'actualité de la chaîne. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder notre emploi du temps tout de suite en mode gros bas les couilles. Ce matin, comme un fainé, que j'ai pas tellement regardé ce que je devais mettre dans mon sac. Alors vous le savez, nous, dans les bahuts, tout ça, etc., on a un truc qui s'appelle trop tard, pronote. Vous voyez pas très bien, mais voilà, si c'est pronote. Donc en fait, ça nous sert à avoir nos notes, notre travail à faire, etc., etc. Vous devez connaître, c'est obligé. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas. D'accord, donc je démarre à 9h, mais je démarre avec culture générale et expression personnelle. Ah, parce qu'attention, faut pas dire français avec ma prof. Oh, yoyoy, putain, t'as le malheur de dire français, mais elle te démonte. Donc attention, c'est de la culture générale et de l'expression personnelle. Intéressant. Ensuite, rien d'intéressant, des mathématiques aussi. Bon, avant d'aller manger, c'est toujours sympathique. De l'électronique et de l'anglais. Voilà, pour aller jusqu'à 5h30, hein, si vous voulez voir mon petit emploi du temps du mardi. Voilà, pour ceux que ça intéresse éventuellement. Donc, on va essayer de shooter un petit peu toute la journée, des petits passages de vidéos. Encore une fois, je suis trop haut, clac, voilà. On va essayer de
de faire des petits trucs sympatoches comme ça. Je suis sur un parking d'une gare, enfin, donc je vais pas rester là, on va bouger. Voilà, on va aller au bahut. Bon, vous me voyez pas forcément, peut-être un petit peu avec les lumières qu'il y a tout autour. Mais bon, c'est pas grave, je suis juste devant vous. Je suis arrivé au bahut, je vais rentrer, j'ai vraiment la flemme de sortir parce qu'il caille à mort dehors. C'est juste pas possible autrement. Donc voilà, à 8h, je suis arrivé au bahut. C'est intéressant, n'est-ce pas? On va aller retrouver tous les thugs et se mettre entre thugs tout autour d'une voiture. Avec la musique à fond et le capot ouvert. Me demandez pas, c'est un cliché que j'ai dans la tête. Ouais, bon, allez, on y va. Parce que... encore gueule ici. Quand tu fais rien, que t'es dans le hall, bah tu te fais tirer à la racing. Voilà. Et tu termines premier à toutes les courses. Moi, c'est bon. C'est un détail. Petit détail. Bon, c'est parti pour de la paire. Pour de la paire, wesh. Putain, une aide, quoi. De l'aide personnalisée. Souffrons. Venez apprendre les jouets de l'électronique avec moi. Vous allez mourir, ne venez jamais. Voilà. Donc, électro, j'ai encore une après-midi de merde. C'est quoi ça? Ce mec tryhard sur mon phone à Piano Tiles. Bonne chance. Bon, ceci est une fin de journée de cours. Alors, il fait extrêmement froid dans cette voiture. Et elle démarre encore. Putain, je tremble, c'est un truc de ouf. Pardon, Skyrock qui tourne en fond. Je vais planter un petit peu ici parce que les gens sortent et tout. Ah ouais. Je vais m'amuser. Mon pare-brise est gelé. Voilà. J'aime l'hiver, surtout quand ça te pète tes essuie-glaces en fait. Voilà, putain, je caille sa mère. Voilà, ouais, on va faire un truc intelligent. Du coup, ah, vous voyez rien aussi. Si. Alors, on va faire ça. Pare-brise, on va fermer les buses. Et nous allons mettre donc ceci à fond. Je crois que ça suffira. Non, j'ai quand même pas tout mettre à fond. Bon, je fais le trajet retour chez moi et puis ça, je vous parle peut-être de quelques trucs si je m'en souviens. Voilà, putain, j'ai froid. Bon, alors, je vous explique. Avant de rentrer, il faut que je reprenne Seb qui va revenir de son bahut. Donc lui, il fait un petit morceau de trajet à pied jusqu'à moi. Et moi, je suis en train de l'attendre. Donc, pour vous dire un petit peu dans quelle configuration j'attends Seb, puisque c'est juste horrible d'attendre quelqu'un dans le froid. Enfin, dans le froid, hein, lol. Moteur en route avec presque plus d'essence, mais on s'en branle. Chauffage à 1. Et juste la chaleur, mais au maximum. Le bouton n'est pas éclairé, mais le bouton est là. La chaleur est là. Là, je peux pas l'avoir plus au maximum. Donc on est en train de se réchauffer, il fait bon dans la voiture, il fait chaud, il fait bien. Et puis voilà, on va regarder si j'ai pas des messages sur mon iPhone. Non, j'ai pas de message, par contre 34% de batterie. Hier je me plaignais que j'étais revenu avec 60% de batterie chez moi, je n'ai plus que 34 et je suis même pas rentré. Salerie, drôlerie du genre. Donc pour vous reparler un petit peu là, du changement de nom que je voulais faire, j'ai eu un commentaire d'un gars de ma classe, il se reconnaîtra, n'est-ce pas Nico, qui disait que, ouais mais avant on savait, je vais baisser parce que sinon les gens vont me prendre pour un fou, il disait donc, ouais mais avant on savait directement que quand c'était Asus, c'est que c'était des vlogs. Bah non, pas forcément, je fais pas que des vlogs Nico, je fais pas que ça, je fais de tout. Là, quand l'occasion se présente, je fais de tout. Donc voilà, on va faire ce changement de nom là. La page Facebook a déjà changé, je le rappelle encore une fois, ça s'appelle Cérémy. Et vous pouvez chercher aussi, mais je pense
si je crois que vous pouvez faire des recherches par... Je vais verrouiller. Voilà. Vous pouvez faire une recherche par par at, vous voyez. Donc vous tapez at Cérémy officiel. Voilà, cherchez ça sur Facebook. Bonjour, bonsoir mademoiselle, vous voulez éventuellement faire des choses plus ou moins sportives. Donc surtout, ce qu'il faut pas que j'oublie, c'est de retirer la vidéo de la baston de migrants. Elle n'a plus lieu d'être. C'était une vidéo de test pour tester un petit peu la mentalité des gens. Donc je vais l'enlever, je l'ai pas encore enlevé au moment où je tourne le vlog là, donc on est toujours le... Je vois rien sur ma montre, c'est horrible, 17 janvier. C'est un peu chaud le chauffage quand même. Et donc il faut que je retire la vidéo parce que je l'ai toujours pas fait. Voilà. Et sinon quoi d'autre à vous dire? Bah ça je sais pas, on verra bien en revenant à la maison si j'ai des trucs à vous dire. Parce que pour l'instant rien du tout. Ah si, j'aimerais me payer un PC portable pour pouvoir faire les petits montages au calme. Mais ça coûte des sous, c'est ça le problème. Voilà, je fais pas plus long. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. On se retrouve le mois prochain, au mois de février, pour le monthly vlog du mois de février, comme d'habitude. Ou alors, avant, entre deux, peut-être pour d'autres vidéos. Pour ça, faut regarder le générique de fin, parce que c'est marqué tout en bas, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien. Prenez, pour ceux qui en ont, bien soin de vos appareils Apple. Ça serait con de les faire tomber, de les casser. Et on se retrouve d'ici le mois prochain. Vous voyez un petit peu? T'as compris? T'as pas compris? Ben c'est pas grave. Salut, à la prochaine!